Les Alpes nous appellent, il faut croire au miracle quand les Alpes nous appellent. Et soyons courageux, amis pour toujours, nous vaincrons ceux qui nous jouent des tours, nous ne reculerons jamais. Amis pour toujours, nous vaincrons ceux qui nous jouent des tours, nous ne reculerons jamais. Parmi les hautes et robustes Alpes, entourées de forêts anciennes et épaisses, s'étend une charmante vallée. Dans cette contrée magique, habitée par des milliers de gens heureux, l'été chaud et ensoleillé est arrivé. Et voilà les habitants de cet endroit fabuleux. Allons faire connaissance avec eux et découvrons quelles aventures peuvent se dérouler ici. Coco, Coco, on va être en retard. Les autres vont tout manger sans nous attendre. T'inquiète pas, Rocky. Tante Piffy nous laisse toujours un morceau, tu le sais très bien. Vous voilà, vous êtes de nouveau en retard. Tout le monde a déjà mangé, il ne reste plus rien pour rien vous. Rien du tout. Bon, d'accord, il reste encore deux morceaux pour vous. Asseyez-vous. Merci, Tante Piffy, nous ne serons plus en retard, promis juré. D'accord, écoutez-moi. Avez-vous déjà entendu parler de Bonoum, l'esprit des Alpes? Il habite dans les montagnes et nous protège de tous les démons. L'esprit des Alpes a vaincu tous les démons forts et puissants. Et les petits démons alors? Les petits démons, ce sont nos mauvaises actions. Mais nous pouvons les chasser par les bonnes actions. Retenez ceci. Les démons peuvent vous promettre plus de beurre que de pain, mais ne les croyez pas, ils vous mentent. Coco, il ne faut pas y aller. Ça peut être dangereux. Mais pourquoi? Ce n'est pas un mauvais esprit. Et s'il y a des démons là-bas? Tante Piffy nous a dit qu'il a chassé tous les mauvais esprits. Allons voir ça. Regarde, Coco, l'herbe sur la colline à côté est sombre. C'est bizarre. Allons-nous-en, j'ai peur. Mais non, regarde, l'herbe près de ce rocher est noire. Je me demande ce qu'il y a là-bas. Rocky, viens m'aider. Même si je n'aime pas ça, je viens t'aider. Coco, peut-être qu'on n'aurait pas dû ouvrir cette grotte. Qu'est-ce qui te fait peur, Rocky? Regarde, il n'y a pas de démon ici. Viens, on va regarder. Vous m'avez libéré, mes petits amis. Suivez-moi, je suis tellement reconnaissant que je suis prêt à vous montrer toutes les montagnes des Alpes. Coco, c'est un démon. Souviens-toi de ce que nous a dit Tante Piffy. Va-t'en, nous ne te suivrons pas du tout. Alors je vous laisserai ici. Oh non, qu'est-ce que nous avons fait? On a besoin d'aide. Il faut aller demander de l'aide chez Monsieur Adler. Il saura quoi faire. Mais il habite sur le sommet le plus lointain. On doit se dépêcher. Il faut réparer notre erreur. Excuse-moi, Rocky. C'est de ma faute. C'est notre faute à tous les deux. Qui est-ce? Qui vient me déranger pendant ma sieste? Ah, d'accord, c'est vous, les habitants de la vallée. On a accidentellement libéré le démon de la grotte. Vous devez nous aider. Monsieur Adler. Pour chaque mauvaise chose, il y a dans ce monde quelque chose de bon. Dans toutes ces montagnes, il ne reste qu'une personne qui pourra vous aider à le vaincre. L'esprit des Alpes. Pour l'appeler, il vous faut souffler dans ce corps des Alpes magiques des chevriers alpins. Il se trouve au sommet de cette montagne. Allez, dépêchez-vous. Je vous surveillerai de là-haut. Nous sommes seuls maintenant, Coco. On doit vite aller à la montagne voisine. Dépêchons-nous. Rocky, Rocky, on l'a trouvé. C'est le corps des Alpes magiques. Vas-y, souffle dedans. Ok. On m'appelle seulement lorsqu'un grand malheur arrive. Qu'est-ce qui vous amène? On a accidentellement libéré le démon qui était dans la grotte. Vous devez nous aider à le vaincre. J'ai combattu le mal pendant des milliers d'années. J'anéantirai ce démon. Comptez sur moi. Rocky, on vole! On vole, Rocky! Je ne tomberai pas! Je ne tomberai pas! Je suis le premier coq volant dans le monde! Attends, Maloum, tu n'as pas ta place ici! Tu ne pourras pas me vaincre! D'abord, je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez pas voulu me suivre et vous avez libéré l'esprit des Alpes! Monsieur Adler! Monsieur Adler! Mes amis, aujourd'hui vous avez sauvé les Alpes.
Non, j'ai vu ce que vous avez fait. C'est vous qui êtes allé chercher le corps des Alpes magiques. Ça a été difficile, mais vous avez réussi. C'est votre amitié qui a sauvé les Alpes. Et en tant que remerciement, je vous offre ces deux corps des Alpes. Maintenant, comme vous êtes devenus les gardiens des montagnes, vous pourrez m'appeler si un malheur vous arrive, à vous ou à vos proches. Merci beaucoup, Esprit des Alpes. Merci. Et maintenant, retrouvons la beauté des Alpes. Voilà. Ce matin, vous avez promis de venir à temps pour me voir. Pas de pizza pour vous aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus pour vous demander de la pizza. Nous voulons vous aider à la faire. Parce que vous avez dit que de bonnes actions chassent les démons. Donc nous avons décidé de chasser les démons de chez vous. Et nous pouvons faire beaucoup pour les Alpes. Les Alpes nous appellent. Il faut croire au miracle quand les Alpes nous appellent. Et soyons courageux, amis, pour toujours. Nous vaincrons ceux qui nous jouent des tours. Nous ne reculerons jamais. Amis, pour toujours. Nous vaincrons ceux qui nous jouent des tours. Nous ne reculerons jamais. Les Alpes nous appellent, il faut croire au miracle quand les Alpes nous appellent. Et soyons courageux, amis pour toujours. Nous vaincrons ceux qui nous jouent des tours, nous ne reculerons jamais. Amis pour toujours, nous vaincrons ceux qui nous jouent des tours, nous ne reculerons jamais. La beauté des montagnes alpines réjouit la vue. Il ne peut pas y avoir de mal ici, ni de tromperie. Les habitants des Alpes font tout pour protéger leur pays de tous les dangers possibles. Et voilà nos amis. Allons voir quelles aventures va leur apporter cette belle journée ensoleillée. Notre pays est le meilleur au monde. C'est vrai, Rogi. Regarde comme il fait beau aujourd'hui. Malheur! Oh! Malheur! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi et raconte-nous tout lentement et clairement. Ce matin, je préparais du thé et la bouilloire a failli me tomber dessus. Oh. Heureusement, j'ai fait un bond. Vous savez que les brebis sautent très bien. Regardez. Oh non, j'ai oublié. Il y a un malheur là-bas, un malheur. Quel malheur? On est allé à l'étang et là, il n'y avait plus d'eau. L'eau a disparu. Disparu? Rogi, il n'y a pas une minute à perdre. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Regarde, il y a de l'eau là-bas. Ça n'a rien de rassurant. Me voilà! Voyez ma force, les habitants des Alpes! Qu'est-ce que c'est? Viens, on va voir. Rogi, regarde! Les vagues viennent de là! Mais c'est Evan! Tu te souviens que Tante Piffy nous a raconté que c'est lui qui contrôlait l'eau dans la forêt? Voyez ma force! Voyez mon pouvoir! Nous devons arrêter Evan. Quoi qu'il en coûte. Evan! Arrête ça!
Evon ? Non, pas Evon. Appelle-moi Maître Evon ! Non ! Tout le monde me détestait, se moquait de moi, et je le supportais. Et hier, quand j'ai décidé de jouer avec des brebis, elles ont commencé à rire, comme ça. Bé, bé, bé. Elles ne riaient pas. Elles parlent comme ça. Elles ne riaient pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Que je suis bête. Je suis si mauvais. Evon, tu peux arrêter tout ça? Oh, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment failli détruire toute la vallée. Tout le monde fait des erreurs. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui les corrigent, tu sais. Tu as failli détruire la vallée. Mais au final, tu l'as sauvée. Merci à vous. Evon, maintenant tu dois orienter toutes les rivières dans leur lit, d'accord? Oui, et aussi remettre les lacs à leur place. Je vais tout réparer. C'est bien chez vous. Est-ce que je peux rester avec vous? Bien sûr. Maintenant, tu es notre ami. Enfin, j'ai des amis. Je suis si heureux. Ouais, les Alpes, c'est le plus bel endroit au monde, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Les Alpes nous appellent. Il faut croire au miracle quand les Alpes nous appellent. Et soyons courageux, amis pour toujours. Nous vaincrons ceux qui nous jouent des tours. Nous ne reculerons jamais. Amis pour toujours, nous vaincrons ceux qui nous jouent des tours. Nous ne reculerons jamais.